Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier spoiler sur Shurima qui va sortir le 3 mars. On a eu notre petit lot de révélations de cartes, 9 cartes, un nouveau mot-clé. Vous l'avez en face de vous, c'est le décompte. Au début du round, je réduis le décompte de 1 à 0, détruisez-moi et activez l'effet du décompte. Alors ce décompte, on l'a sur le site Disque Solaire. Au début de la partie, on le pioche dans le deck. Si toutes les cartes du deck sont de Shurima, donc Allégeance Shurima en gros, on pioche le disque et il coûte un mana, donc on peut le poser tour 1 et il a un décompte de 25. On va restaurer le disque solaire une fois qu'on aura fini le décompte. Et lorsqu'un allié transfiguré passe au niveau supérieur, réduisez mon décompte de 10 rounds pour accélérer. Alors on ne sait pas encore ce que c'est. L'allié transfiguré, on n'a pas de carte qui est sortie, par contre on a 9 cartes qui sont sorties et on va les voir maintenant. Et on commence avec le Poro élu, c'est une 1-1 pour 1 qui au début du round, si vous avez fait passer un champion au niveau supérieur auparavant dans la partie, on le transforme en Poro exalté, vous l'avez juste à côté, il passe 2-2 et il a 3 mots-clés aléatoires. Je le trouve pas mal, bon c'est un Poro, on vient l'ajouter du coup avec tous les autres Poro dans l'archétype. Mais le fait d'avoir un Poro avec 3 mots-clés, alors aléatoire certes, ça peut être intéressant dans l'archétype Poro. N'oublions pas qu'on peut le booster avec Poro Snacks. À voir si on pourra jouer avec les autres Poro. En tout cas, il coûte 1. Donc il peut aussi être invoqué dans les créatures à 1. Il y a de nombreux sorts dans le jeu qui peuvent l'invoquer. Hiérophante estimé. 3-4 pour 3 mana. Et quand il est invoqué, réduisez le décompte de votre disque solaire enfoui qu'on a vu tout à l'heure de 2 rounds. Donc, pas de défaut. 3-4 pour 3. Gros body avec un effet positif lors de son arrivée en jeu. Il pourrait être intégré dans le deck Allégeance du coup avec le site. 3-4 pour 4 pour l'oratrice des élus qui donne plus 2, plus 0 à vos alliés si vous avez fait passer un champion au niveau supérieur. Alors, elle est assez moyenne en termes de stats. Par contre, si on arrive à avoir un deck Shurima ou autre, mais un deck aggro avec plein de bêtes sur le board et qu'on arrive à avoir un champion level up assez rapidement dans la partie, ben, on peut donner un bonus extrêmement puissant au board. Conseil dévoué, un 6 pour 3. Bon, en termes de stats, c'est plutôt très défensif. Hein. Et au début du round, si vous avez fait passer un champion au niveau supérieur, encore une fois, rendez 2 PV à vos champions et à votre Nexus. Je le trouve vraiment pas mal, c'est un effet qui va se déclencher à chaque début de round. Alors, si vous jouez contre aggro, déjà c'est un gros body, 6 de défense. Et en plus de ça, il donne 2 PV par tour. Au début du round, c'est à notre round et au round adverse. C'est assez fort contre l'agression. Alors là, c'est un petit peu ma chouchou des 9 cartes, l'ambassadrice dorée, 3-2 pour 4, bon, ça casse pas des briques. Par contre, Allégeance, piocher un champion et octroyer lui plus 2, plus 2, là, on est sur une très très bonne carte Shurima, du coup, dans un deck Shurima, parce qu'il y a l'Allégeance, mais vraiment, ouais, c'est vraiment fort, plus 2, plus 2 sur un champion, on le pioche en termes de stats, là, c'est value. La carte est value, je pense qu'elle sera jouée dans tous les decks Allégeance Shurima. L'ascension des transfigurés, premier sort lent de l'extension, pour cette mana c'est très lourd. Faites monter en niveau tous vos alliés transfigurés de niveau 1. Bon, on ne sait pas encore ce que c'est les transfigurés, il faut attendre, j'imagine, demain lors de la révélation des prochaines cartes. Donc pour l'instant, stand-by sur ça. Alors je reviens sur le disque solaire qui se transforme en disque solaire restauré quand on a fini le décompte. Il fait piocher immédiatement un de vos transfigurés dans le deck. Je vous rappelle qu'on ne sait pas encore ce que c'est les transfigurés. Et pour le reste de la partie, vos transfigurés de niveau 2 sont de niveau 3. Pour l'instant, stand-by, pareil que tout à l'heure. On va attendre demain le reste des cartes pour voir si des transfigurés sortent. Donc je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau pool de cartes.